Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Dragon's Dogma 2 sur PlayStation 5, édité et développé par Capcom, sorti officielle le 22 mars 2024 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Directement, on rentre dans le vif du sujet, qui dit Dragon's Dogma dit les pions. Je m'en vais de ce pas récupérer le pion de Mistline, l'une de mes amies sur PlayStation, pour récupérer directement son pion principal. Je vais vous expliquer de quoi il en retourne. Dragon's Dogma, c'est avant tout vous, un insurgé, choisi malgré lui par un dragon. Vous vous faites perforer la cage thoracique, un dragon vous bouffe le cœur, vous devenez un insurgé, vous êtes lié à ce dragon, et vous pouvez désormais contrôler ce que vous appelez des pions. Les pions seront vos partenaires dans cette aventure, dans cette action RPG aventure. Ces pions seront au nombre de 3. Vous pouvez, en plus de votre pion principal, recruter le pion principal d'un de vos amis. Le jeu possède un cycle jour-nuit. Bien entendu, vous pouvez skipper de la nuit au jour et du jour à la nuit. Vous n'aurez qu'à aller vous reposer dans une auberge qui vous remettra votre vie au maximum, car si vous perdez un certain quota de vie et que vous ne vous soignez pas à temps, il ne vous sera plus possible de récupérer le segment manquant. En plus d'être un RPG très pointilleux, c'est une gestion assez minutieuse qui vous sera demandée au cours de votre périple. Et pour preuve, regardez par vous-même le fameux ATH, grande symbolique de cette saga Dragon's Dogma. Avec carré, je peux envoyer divers petits sorts à la suite. Il me suffit d'appuyer sur la touche L1 et d'appuyer sur croix, carré, rond, triangle de la DualSense pour comboter en faisant un sort plus puissant qui va me demander un temps de cast plus ou moins conséquent. Certains personnages, en fonction de la classe que vous allez prendre, seront basés sur du dodge ou du contre. Pour ce qui est de la distance avec les casteurs ou les archers, il n'y a pas vraiment de touche d'esquive. Il va falloir donc vous préparer en amont avec des sorts de protection ou vraiment garder une certaine distance par rapport à vos mates qui seront en première ligne. Vous rappelant que le premier était sorti en 2012, Capcom a cependant évité de corriger certains aspects de lourdeur qui avaient été reprochés déjà dans son premier opus. Malheureusement, ce jeu fait plus office d'un reboot bien conforme à la licence plutôt qu'une réelle suite selon moi. Je vous parlais tout à l'heure de l'ATH et de la DualSense. Un conseil vraiment de premier ordre, désactivez immédiatement le retour son de la DualSense. Quand un de vos alliés est au sol, vous allez avoir comme une sorte d'alarme où il faut aller absolument le res en un certain temps donné. En plus d'avoir ce son en votre sortie télé ou casque s'il est branché, il sort également par la manette une double alarme non synchronisée en fréquence 1-2 et 2-3. C'est vraiment horrible pour les oreilles. Bon, ça va, je me suis pas fait mal. Il y a des dégâts de chute, mais grâce à la lévitation du mage, parfois je peux contrer un petit peu cet aspect. Donc, on va installer un campement. Bien entendu, tout se fait par objet, par achat, par consommable. Vous voulez camper, il vous faut une tente. Vous voulez vous téléporter, il vous faut certaines pierres ou alors être dans des capitales. Allez, on va dormir, on va passer en cycle jour parce que vraiment, de nuit, on n'y voyait vraiment rien. Et dans le campement, vous pouvez donc parler avec vos pions, leur augmenter leurs stats, bien sûr, de vous et de votre pion principal, bien sûr. Pas des autres pions que vous recrutez parce qu'ils ne vous appartiennent pas, tout simplement. Oh, on se fait réveiller de bon matin directement. Et bien entendu, comme je le disais, dormir. Pour ce qui est de l'utilisation de certains objets qui vous faciliteront la vie, parce que là c'est clairement un simulateur de marche, Dragon's Dogma, je préfère vous prévenir immédiatement. Il va vous falloir des transpierres qui vont vous permettre de vous transporter à différentes pierres de téléportation que vous avez débloquées auparavant durant votre avancée. Les pierres se trouvent un petit peu partout dans la map, mais elles sont assez compliquées à trouver. Si vous n'avez pas l'œil, plissez bien quand vous affichez votre map pour essayer de la détecter et d'aller vers elle pour pouvoir l'activer, car elle restera sur une couleur un peu caméléon par rapport à la map.
Et il faudra vraiment avoir l'œil fin pour pouvoir la trouver. Une fois active, bien sûr, hein, elle est d'un violet assez, assez prononcé. Il est beaucoup plus simple après de la trouver une fois qu'elle est active. Le campement, comme vous pouvez le voir, ne vous permet que de gérer vos sorts. Je dis bien gérer. Ce n'est pas dans les campements que vous pouvez en débloquer de nouveaux. Vous êtes obligé d'aller vers des maîtres de classe, des maîtres de guildes, qui eux vous apprendront dans les grandes villes les nouveaux sorts et même amélioration de certains que vous pourriez avoir dans un niveau passable, qui passeront à un niveau plus élite. C'est-à-dire, vous voyez les anciens RPG tour par tour comme Final Fantasy, Golden Sun, Lost Odyssey, de grands RPG du nom qui avaient inventé les fameux sorts de type feu, feu plus, feu X, etc. Pour ce qui est des malus des ennemis, vous les voyez, ils ne passent pas inaperçus, les harpies chantent et essayent de vous endormir. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, tout se résume avec des consommables, vous avez des potions pour vous réveiller, pour réveiller vos collègues, pas vous réveiller vous-même bien sûr. Mais vous pouvez donc gérer votre troupe ainsi. Graphiquement, le jeu est plutôt beau, la DA pour un Dragon's Dogma est topissime, mais surtout, les musiques sont incroyables et renforcent nettement l'immersion. Pour vous placer un petit peu dans le contexte, j'ai accepté une mission où est-ce qu'il faut que j'aille aider dans trois endroits différents de la map des humains qui se font attaquer par diverses créatures. Hein, et il faut que j'aille donc en libérer certains, éradiquer, clean toute une zone. Bref, voilà, une bonne petite annihilation des familles. Ne m'en voulez donc pas si je vous montre pas autre chose, mon but n'est pas forcément de vous spoiler. J'essaye de faire une vidéo au plus court, généralement en dessous des 30 minutes, pour vous donner l'envie et vous tenir en haleine. Et ainsi, à la fin de ce gameplay découverte, j'espère que vous aurez donc votre réponse sur votre futur potentiel achat. A savoir qu'il coûte bien entendu le prix fort. Une quarantaine d'euros si vous le trouvez en code sur des sites comme Eneba ou Instant Gaming si vous êtes PCiste. Néanmoins, préparez la vaseline parce que, sur console en tout cas, il fait plus de 65 Go et ça fait mal. Bon, on est enfin arrivé dans la grotte, je suppose que c'est l'endroit même où il va falloir que je fracasse les ennemis. Ce sera donc des gobelins qui vont sûrement m'attendre. Allons voir ça. Comme je l'ai dit, il va falloir se préparer en amont. Donc, quelques sorts de protection, histoire que je perde pas plus de vie. Vous le voyez, j'ai déjà perdu un segment, je suis pas full vie. Donc, il va falloir que je fasse attention. Je pensais pas qu'ils étaient dès le début. Ils sont où mes collègues, là? Ah ouais, d'accord, ok. Oh mais ramenez-vous, aidez-moi. Bon après, en même temps, je cherche la merde aussi, hein, je pars au front. Vous avez des ordres à leur donner, vous le voyez en bas, à côté de la map, en bas à gauche. Donc il y a le fameux « avec moi » pour qu'ils me suivent. Et le fameux « en avant » pour qu'ils soient un petit peu plus libres de leur mouvement. Mais en parlant des pions, je pense que c'est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros point positif de tout le jeu. Ils sont autosuffisants et d'une aide précieuse. Tout ce qu'ils peuvent vous dire, ce n'est pas juste des paroles pour meubler, c'est pas des mots dans le vent. Ils vont vous indiquer certains endroits, quand vous les laissez mettre de leur sens, ils vont aller récupérer des objets pour vous, vous indiquer le bon chemin, du moins le plus court pour aller à votre objectif. Et puis si vous recrutez des pions qui ont appartenu à d'autres joueurs qui ont déjà fait les missions avant vous, ils vont dire des choses comme « mon maître, c'est-à-dire l'insurgé, était déjà passé par là, il faut aller vers ici, il faut aller vers là », et là il devient carrément votre tête de file, et vous n'avez plus qu'à le suivre, et vos pions font de même. Ils se parlent entre eux, il y a même des petites anecdotes assez folles, où est-ce que quand on invoque un nouveau pion, il dit qu'une maladie sévit chez les pions
quand ils vont chez d'autres insurgés, ils seraient atteints d'une sorte de problème, de réflexion, d'un problème mental, les empêchant d'écouter l'insurgé. Donc ça veut dire que si on a certains pions qui viendraient dans notre game, on aura beau donner un ordre, il va pas nous écouter. Plein de choses comme ça sont mises en avant. Plus le pion augmente en niveau, plus il est capable de clairement vous aider. À savoir que les pions que vous invoquez ne montent pas de level. Seul vous et votre pion principal peut augmenter en niveau. Pour ce qui est des autres, il faudra les renvoyer et en recruter de nouveau. Ou même, par exemple, comme j'ai dit, celui de Mistline qui m'accompagne, Seti qui me fait office de tank, à un certain niveau, je vais la renvoyer, je vais lui demander en interne, est-ce que tu as rejoint Dragon's Dogma ? Oui, mon pion est à nouveau monté de level, et donc j'aurai le level au moment où elle aura stoppé le jeu de son côté à nouveau. Donc c'est une évolution en continu, sur laquelle on peut clairement se reposer, et c'est ce qui fait la force de Dragon's Dogma. Mais ça, du coup, ils pouvaient nous les faire tomber sur la gueule. Ça bouge, ça ? Oui, ça bouge. Ouais, moi, je le fais pas bouger, quoi. Pour vous dire même, et ça en fera baver certains, si le pion en question a déjà combattu, par exemple, un boss ou un ennemi élite que vous rencontrez par hasard dans la nature, et s'il l'a déjà affronté et qu'il l'a déjà battu, eh bien, il saura encore mieux se battre et anticiper ses coups quand il combattra à vos côtés. Si ça, c'est pas abusé, quand même. Après, ça mange pas de pain, mais je peux vous sortir un autre point positif. À l'endroit où vous vous stoppez dans Dragon's Dogma, quand vous sauvegardez et que vous quittez, au moment où vous allez relancer votre game, eh bien, le fond d'écran, le menu pour appuyer sur une touche pour commencer votre partie et la reprendre, eh bien, ce sera l'endroit même avec différentes POV du lieu où vous êtes déconnecté. Et je trouve ça assez cool en vrai. Il y en a beaucoup qui l'ont pris pour un point faible. C'est le fait de ne pas pouvoir recommencer une game. Si vous sauvegardez, il est impossible de commencer une nouvelle partie. Vous serez obligé d'aller manuellement dans votre système de console ou dans vos fichiers sur PC pour supprimer la sauvegarde et à nouveau recommencer. Si par exemple votre personnage ne vous plaît pas ou que vous n'avez pas fait la classe au final qui pouvait vous plaire en termes de gameplay. Même si des coiffeurs existent et les maîtres de guilde sont bel et bien là pour vous apprendre une nouvelle classe et de nouveaux patterns très très tôt dans le jeu. Si par contre vous êtes pointilleux, un peu trop psychorigide et que vous voulez vraiment commencer avec telle classe et telle tronche, il faudra repartir dans vos files et aller faire un petit peu de manipulation en interne. Après, par contre, je vous vois venir ceux qui n'ont pas l'habitude de Dragon's Dogma et qui le découvrent avec le 2. Oui, le gameplay a l'air assez lent, il n'y a pas de système de visée, seule votre caméra avec mon joystick droit me permet de viser approximativement l'ennemi que je souhaite. C'est très très brouillon, ça peut être vu comme un point négatif, mais c'est Dragon's Dogma, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, là après, je vous montre du gameplay avec le mage parce que c'est absolument la classe que je voulais faire dans le jeu. Bien entendu, il y a plusieurs classes, je vais pas toutes vous les donner, puis depuis très longtemps on connaît la totalité des classes qu'il y a, et même de mixer ces classes pour devenir un archémage par exemple, et j'en passe. Mais je me permettrai donc, vers la fin de ce gameplay découverte, de terminer en enfilant une autre tenue, de passer sur une autre classe. Je verrai. Ce sera la surprise pour la fin de vidéo. Et je vais même essayer... Allez, je spoil la fin, je vais essayer de trouver un boss. Bon, eh bien, je crois qu'on a terminé. Petit détour vite fait par l'inventaire. Comme vous pouvez le voir, il y a les pions sur la gauche et il y a un système de poids. Vous pouvez donc transférer des objets à d'autres personnages pour qu'ils vous fassent office de mule. Bien entendu, le système de poids se reflètera in-game
Vous serez beaucoup plus lent pour courir, votre barre d'endurance diminuera bien plus vite que la normale. Et il y a même le principe d'alchimie en combinant divers objets. Allez, on continue, direction le prochain point. Oh, tiens, ça je voulais pas encore montrer. Dites-vous que voilà, il y a des voyageurs et ce sont les pions principaux d'autres personnages. Bon là, en bas, vous le voyez tout en bas à gauche, c'est Capcom. C'est un personnage qui fait partie, qui est géré de façon voilà, random avec l'algorithme de Capcom. Il y a différentes stats qui s'appliquent par rapport à votre taux de progression. Pour le recruter, il faut donc laisser un cadeau à votre précédent pion et recruter un nouveau. Ah, good. I see the Arisen's found someone to handle our busy work. Non, mais là, c'est... Oh, cet endroit est vraiment trop beau. C'est limite, en fait, un voyage initiatique, en fait, ce jeu. Il est... c'est vraiment poétique. Il y a certains cadres, c'est... Je suis subjugué par ce que je vois, quoi. Vraiment, c'est trop trop beau. Regardez-moi ça, je vous laisse profiter un petit peu. Vermin was once the Beastron Kingdom. Truly? Indeed. Though, tis not widely known among the common folk. Ah, je vois des ennemis au bout. Bien entendu, vous pouvez même tomber sur des voyageurs. Le jeu est solo, mais vous pouvez tomber sur des pions qui appartiennent à des joueurs qui étaient en train de se balader et qui se font attaquer ou qui attaquent les potentiels ennemis qui pourraient vous barrer la route durant votre ascension. Et même pour info, dites-vous que en me baladant de nuit, je suis tombé sur un boss où est-ce qu'il y avait 4, voire même 5 joueurs autour et il était impossible pour moi de les recruter. Donc je pense que je suis tombé sur le calque d'une full team d'un joueur qui était en train de se balader et Capcom, avec son algorithme, me l'a juste implanté dans ma session et je suis tombé en fait avec une squad et on était, je crois qu'ils étaient vraiment 5, il y avait vraiment un pion random plus un groupe de 4. Et nous tous, et au final, on s'est retrouvé à 9 pour taper dessus, et ça s'est terminé très très vite. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, chaque ennemi est à appréhender d'une différente manière. Ceux qui volent vont être plus rapides pour vous arriver dessus en piqué. Si vous avez un voleur qui se déplace sur ses deux jambes, il va être plus dans l'esquive. Si vous rencontrez des gens de type tank, ils vont vous rentrer dans l'art à une vitesse folle. Si vous le prenez vraiment plein fer, en plus vous prenez plus de dégâts en fonction de la posture que vous avez. Oui, parce qu'il y a des dégâts positionnels. Si vous le prenez dans le dos, vous aurez plus mal et vous avez même des items comme des bagues qui vous permettent d'avoir un pourcentage réduit de dégâts effectifs sur votre gueule si vous les prenez dans un angle mort par exemple. On a quelques petits renégats, quelques mercenaires qui occupent un château démonté là. Une vieille forteresse. Ah, les voleurs, faut faire gaffe. De toute façon, vous les repérez rapidement quand vous êtes à bas level dans le jeu, ils sont souvent torse nu. One might confidently call that a resounding victory. We mustn't allow ourselves to become complacent. Allez, vas-y, continue de m'indiquer le chemin. On suit du coup le pion que j'ai recruté qui avait déjà fait cette mission et qui nous indique directement le chemin le plus court pour y accéder.
Bon, j'ai l'impression que l'objectif est là, mais 2 secondes, hein, vous allez devoir m'attendre. Il y a des objets, il y a des choses à ouvrir, à récolter. Maintenant, je suis tout à vous. Bon, on avait eu des gobelins et c'est encore des gobelins. Bon, ça va, c'était rapide. Après, bon, c'est souvent la même chose à faire. Donc, écoutez, je vais essayer de me balader. Je vais passer dans mon autre classe et je vais essayer de terminer ce gameplay en essayant de voir s'il y a un ennemi assez coriace qui s'offre à nous. Alors, oh, mais putain, c'est un boss. 3 barres de vie. Les 3 petits points en haut, c'est une fois qu'on lui a vidé sa barre, il perd 1 point. Oh, c'est quoi ce Minotaure ? La musique, elle est incroyable. Ah ouais. Déchirer la gueule. Vous pouvez du coup crever à tout moment si votre barre de vie se trouve à 0, mais il y a toujours ce liseré blanc. Si, lorsque vous prenez un vol plané ou autre, vous pouvez toujours prendre des consommables, des potions pour vous remettre de la vie, pas obligé d'être sur vos 2 pieds, avoir les mains libres pour pouvoir boire une potion. Non, non, ça s'applique immédiatement. Donc pendant que vous êtes sur le point de crever, vous pouvez vous en sortir si vous êtes assez rapide pour pas que le jeu vous déclare game over. Parce que bon, un pion ne vous ressuscitera pas, il n'y a que vous qui pouvez le faire pour maintenir votre squad sur pied. Ah, le blizzard, ça fait beaucoup trop mal, faut que moi, en mage, faut que je me passe sorcier là. Le pion sorcière là, il fait trop mal. Non, bien sûr, parce que contrer avec le bouclier, ça me consommera mon endurance. Si vous avez plus d'endurance, ben, il va se prendre le coup plein fer. Mais vous perdez pas de vie, c'est d'abord l'endurance qui ramasse. Ah, me dites pas que c'est pas épique comme combat, franchement, c'est là que ça nous plaît Dragon's Dogma, c'est clairement là que ça plaît. Il faut tout lui mettre dans la gueule là. Tam, ta dernière barre de vie maintenant. Et après ça, on stoppera ce gameplay découverte. En tout cas, j'espère que ça vous a bien plu. Il y a des positifs, il y a du négatif aussi. Si vous aimez un jeu quand même où est-ce que la dynamique est maître, par contre, je vous conseille de rebrousser chemin parce qu'il faut vraiment prendre votre temps sur Dragon's Dogma, vraiment. Mais moi, c'est ça qui me plaît dans les RPG. Un peu ce système jeu de rôle où est-ce que tout le monde prend son temps pour établir des strats, des trucs comme ça. Moi, c'est mon kiff. Eh ben parfois, on l'a buté. Eh ben écoutez, je vais vous laisser là-dessus, sur cette victoire, en espérant que ce gameplay découverte de Dragon's Dogma 2 sur PS5 vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde, et je vous dis à ciao! Generally used as a material.